Hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 48 Hours Wedding. Je suis Saya Photographie, je suis photographe de Destination Wedding et je t'emmène pendant 48 heures lors de Behind the Scene sur mes mariages. Le dernier mariage a eu un peu raison de moi parce que tout simplement lors du Destination Wedding en Grèce, la compagnie aérienne a perdu ma valise avec plusieurs choses importantes dedans. Ça m'a pris 2 semaines avant de me renseigner, de savoir comment me faire rembourser avec les assurances, etc. J'ai pris du retard sur mes retouches, bien évidemment. Ce week-end, je t'emmène encore au Ritz. C'est un mariage américain. Je t'ai dit que cette saison, j'ai vraiment des mariés chouchous. C'est vraiment un super millésime. J'espère que ça va durer sur les années d'après. Emily et Stan sont des voyageurs amoureux de Paris et du coup ils ont décidé de se marier au Ritz. Il fait merveilleusement beau pour une fois. Et du coup là je vais commencer à travailler sur leur mood board. Je vais les emmener dans des endroits signatures de Paris avec la tour Eiffel, avec des monuments type. Parce que voilà, ils se marient pour Paris donc du coup ils veulent vraiment des monuments. Mais bon, Paris change beaucoup en ce moment avec les travaux etc. Donc du coup aujourd'hui on fait le welcome dinner sur une péniche. Je les abandonne avant le départ de la croisière et je vais aller faire un petit tour dans Paris. Peut-être que je vais le faire avant d'aller les voir pour faire des photos, du coup, carte postale, comme d'habitude. Tu sais que je fais ça. Et voilà, et puis demain, je t'emmène au Ritz. On est Palais Royal, heure du shooting de demain. Je viens pour faire du repérage. Et là, il y a des travaux, comme d'hab. Je vais te montrer. Voilà, voilà, on est à la fin de la Fashion Week, il y a encore des choses qui se passent à Paris. On n'a pas accès à cette partie-là, je ne sais pas si demain ça va être le cas, mais bon, on verra. Paris Fashion Week results. Hello, finally, you look gorgeous. 2, 3, look at her. Yes. Look at each other. Ça y est, je viens de rentrer de pré-wedding et de welcome dinner. Je suis en train de dérusher. Finalement, vu le couple, je pense qu'ils souhaitent avoir les photos de la tour Eiffel. Donc du coup, je vais les emmener là-bas. Et puis sur le pont Alexandre III, les deux autres options, en général, c'est les Parisiens qui me le demandent. Genre un petit jardin un peu intime avec l'ambiance parisienne, mais sans faire trop cliché. À savoir du coup, le jardin du Palais Royal. Du coup, je suis très contente de faire ce type d'image de Maine. Et puis voilà, je vais finir de dérocher, faire les petits previews, poster les previews et dormir. À demain. C'est journée de mariage, welcome au Ritz et place Vendôme. Aujourd'hui, on va faire pas mal de photos type parisien, très urbain, très chic. J'imagine moderne, mon mood board est très moderne, fashion, mais très classique chic aussi. Et il fait beau, pour une fois. Bonjour. Hi. 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 Bonjour. I need this like 30 minutes. It's okay, we have met like okay, cool. Donc en fait l'idée c'est que je vais la placer juste derrière toi. Là, tu as des miroirs, donc il ne faudra pas regarder. Moi, je reste comme ça. Ouais, et quand tu vas te tourner, tu te tournes comme ça, tu ne vois pas dans le miroir, et elle sera juste derrière. Ok, 1, 2, 3. Je fais ressortir le meilleur de moi-même et le meilleur de mes champagnes. Ok, et du coup vous allez le sabrer où? Je vais sabler dans cette direction-là. Mais vous, vous serez ici? Ok, parfait. Je fais comme ça, vers là, je demanderai juste aux gens de s'écarter par la précaution. Ok. Mais mon but, c'est de viser la fontaine. D'accord.
de fin de prestation, on a terminé. On va dérocher, je vais dérocher, puis je suis pas sûre qu'il déroche. Je vais faire quelques previews. Et puis demain, je vais peut-être faire des photos cartes postales si je me motive. Et on se retrouve demain. Bonne nuit.